Eh bien, salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre carrière pro cycliste. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc aujourd'hui on va continuer notre saison le mois de janvier tranquillement. On a 50€ de budget grâce à nos deux dernières courses. Pour le moment, bon, on n'a pas de gros résultats à notre palmarès à part une petite 14e place à la Cyanide Cup 2. Et on va tout de suite se rendre à la Cyanide Cup 3. Bien sûr, on a été repris. Et une Cyanide Cup la plus montagneuse, la plus vallonnée, on va dire. Bon, on est loin d'être le favori, bien sûr. Voilà, il y a encore des Enrico Barbin, tous des trucs comme ça. Du coup, on est très loin d'être favori. Mais écoutez, on se retrouve au départ de la course. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. Ok, on se retrouve en course avec notre coureur Nicolas Styros. Tout simplement. On est gosse de Sar. 155. Ok. On va remonter tout en haut du peloton, écoutez. Et aujourd'hui, ça va être une course très très dure pour nous. On va avoir du mal, je pense, à suivre les meilleurs. On va viser peut-être un top 25 aujourd'hui, pas plus. Parce que viser plus dans une course comme ça, c'est très chaud. On ne va pas s'échapper non plus. Il est hors de question qu'on s'échappe. Bon, il va pas y avoir de difficulté, on va dire, pour les deux premiers passages. C'est vraiment à partir de celui-ci où ça va devenir compliqué. Parce que là, ça va commencer à accélérer dans tous les sens. Ok. Je regarde un peu, on regarde un peu les pourcentages pour voir si c'est pas trop dur. Oh là là, il y a du 8% quand même et ça dure longtemps. Sur la fin, c'est un peu moins dur, puis ça redevient... Ouais, non. La fin est beaucoup moins dure que le début. L'écart diminue. Et heureusement, j'ai envie de dire. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre le chrono, donc vous aurez un épisode normal. Je pense 35-40 minutes. Ok, deuxième passage du petit col. Il n'y en a pas un qui a envie d'aller chercher à boire. Non, non, il se décide pas. Allez, on va aller chercher nous-mêmes. On est des grands garçons. Oula, Hermans qui se tape à moins 5 pour notre team. Ils sont tous en haut du peloton. Je sais pas ce qu'ils foutent là. On remonte tranquillement, sans trop faire d'efforts. Comment ça va, on perd pas d'énergie. C'est vrai qu'au début c'est assez chaud hein, quand même de gérer un plus un qui se profile, ça serait cool. On va prendre ça vite fait. Un dernier bidon pour la fin de la course. Voilà. Pas besoin de se dépenser à fond. Ok, là ça va devenir intéressant là. Et là ça va devenir intéressant. Il va vraiment falloir essayer de gérer au maximum. On a un zéro. Un zéro c'est pas trop mal. Et on va essayer de gérer. C'est qui eux deux? On a Melsen et Solemic. Oh là, c'est chaud quand même. On est en tête, ceux de notre équipe. Ils ont pas trop de barre jaune non plus. Oula. Il est déjà mort lui. C'est pas à moi mener la troupe normalement. On va rester bien là au chaud. Sans faire de bêtises. Pour le moment ça roule pas. Ok. Ah, ça commence à accélérer là. Ça commence à accélérer, on va faire gaffe. Pour le moment, on est plutôt bien niveau barre jaune. Ok, ça lâche déjà.
On a des coureurs en difficulté, c'est fini pour Irmans. Excusez-moi. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Et ça attaque là. C'est qui attaque? C'est Solomenikov. Solomenikov qui attaque. Bon, ça se passe plutôt bien. On est dans les pourcentages les plus durs de ce col. Et si on tentait une petite attaque? Je sais pas, ou alors on reste là pour la fin. Moi je serais pas dire. On va baisser un peu l'allure. Ça sert à rien, c'est pas à nous de mener normalement. Je sais pas comment on a des coéquipiers qui peuvent être lâchés alors que ça roule comme ça. Lui il est posé lui. K68. Ah, c'est moi le meilleur en fait de l'équipe en montagne. Les leaders se désintéressent de l'échappée. Et pourquoi c'est la sélection par l'arrière se poursuit. Encore 64, 68, 63, 62, 60, 65, 68, 66. On est le meilleur de l'équipe. Étonnant. Ça attaque là. Je sais pas si ça attaque. Nous sommes à 15 mais ça accélère. Ils vont faire la descente à fond. Là, on est bien là. 12 km de l'arrivée. Pour le moment, on est bien. On est bien avec Nicolas là. On gère plutôt bien notre barre jaune. Et franchement, je pensais pas que ça allait être une étape pour nous, mais on a l'air d'être bien. Il n'y a plus d'échappée. Si on peut le suivre, non, on peut pas le suivre. Ok. 7 km. 7 km maintenant. Et on est en train de partir. On est en train de partir. On est en train de partir là, c'est un truc de fou. Regardez, on est en train de partir avec Nicolas. Allez là. Oh là là les gars. Oh là là les gars. Première victoire. Je sais pas, mais on est bien parti là. On est très bien parti. 13 secondes d'avance là. 12 secondes. Allez, on va sprinter. Allez, allez. Oh là là, oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, on va pas gagner. On va pas gagner. On va faire un top 10. Oh, dommage. On va faire 6ème de l'étape. Oh là 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 là, les gars. Une 6ème place. 6ème place aujourd'hui. C'est très bon, un excellent résultat, on aurait même pu gagner, on s'est fait reprendre à 700 mètres de la ligne. Il est parti tout seul, il est parti tout seul, c'est dommage, franchement c'est dommage. Voir les podiums, premier top 10 de notre coureur dans notre carrière avec les U23 de la Lotto Soudal. On fait une 6ème place, une très belle 6ème place. On fait 5ème meilleure équipe, c'est bien, la Bargiani, bon. Le casque me fait mal, Demar vainqueur du jour, et on nous voit là dans la gazette, on est dans la gazette les gars. Et on a fait un très bon résultat. Dans notre carrière, on peut pas voir. D'accord. On peut pas voir pour le moment. Ok, félicitations. Premier top 10. Ok, on rapporte des points. Voir en fait. Données cyclistes. Carrière. Cyanide Cup 1. On fait 26e, 14e, 6e. Ça va en montant, les gars. La prochaine fois, c'est le podium. Je vous le dis. C'est le podium. On fait des bons trucs pour le moment, ça va, je suis content. Ok, entraînement, calendrier, on est là. Fraîcheur, on a perdu pas mal de fraîcheur. Si on va là, on nous voit, voilà. Ok. Écoutez, on est plutôt bien. La prochaine course, je sais pas du tout c'est quand. Cette semaine il n'y a aucune course. Oui, il y a les courses professionnelles, mais nous on n'est pas là. Ça nous a remporté 120 euros quand même, notre 6ème place, hein, c'est pas mal.
continue d'avancer tranquillement. Le tour de l'Under se déroule avec le tour de San Luis aussi. On est encore loin d'y être. Hein. On est encore loin d'y être, nous. Toujours pas de course. Et le prochain, on s'arrête. Voilà, arrête. Ok, on va aller voir un peu le calendrier. On est au mois de janvier. La prochaine course, c'est au mois de mars. Et ce sera le Istrian Trophy. Du vallon. Il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc. Je sais pas, on verra. Okay, ouais, donc là, on va devoir simuler pas mal de temps. Ok, on continue d'avancer tranquillement. L'étoile de Bezège qui se déroule actuellement. Enfin, le Grand Prix de Bezège. Tour de Dubaï aussi. Ok. Pas mal de courses pour le moment pour les professionnels. 3 courses par jour. Bon, non, on a encore un mois de repos et d'entraînement. C'est quoi, juste là, on va prendre une semaine de repos pour éviter que ça entraînement. Donc là, on va faire ça. Ouais. 4 jours de course là, donc il va falloir bien se reposer. Faut que... Ouais, mais là... On va prendre que un jour... Enfin, un d'intensif. Et on va prendre 4. Ah, coquille, non. Mais là, fraîcheur, forme. Ok, on va faire ça. Ok. C'est parfait. On est bon pour les entraînements du mois de février. Et après, on aura notre premier tour. Parce que là, c'était 3 petites classiques. Et là, on va avoir notre premier tour. Un tour en Slovénie. Ça va être pas mal. J'y pense, mais là, on sera pas à avoir tous les maillots. Parce que le maillot vert, c'est impossible à avoir pour nous. Bon, on essayera d'avoir les 3 maillots, essayer de gagner les 3 grands tours. Essayer d'avoir les 3 maillots de meilleurs grimpeurs et les 3 maillots de meilleurs jeunes, les 2 championnats nationaux et les 2 championnats mondiaux. Et ça me semble pas mal. Ça simule toujours, on est au 20 février déjà, ça passe assez vite. Notre forme augmente petit à petit. On n'a pas de fatigue et on est à fond en fraîcheur. Notre INF par contre il est mauvais. En même temps on est en U23. Hein. On n'est pas encore en professionnel. On est un néo-professionnel là. Encore. On peut encore faire 3 ans en U23 à part si la Lotto Soudal décide de nous recruter. Et ça serait excellent parce que déjà la saison prochaine on pourrait faire des grosses courses. Mais ça j'y pense pas trop. Franchement, je pense pas qu'ils vont direct nous demander la saison prochaine d'aller en équipe de l'Auto Soudal. Ça m'étonnerait. Okay. Pourquoi ça s'est arrêté? Ok. Continue. Ouais, on a beaucoup moins d'emails que quand on est manager, hein. Étrangement. Ah là on avait Gunwavel Game, tous des trucs comme ça. Là on va arriver à la saison des classiques. Modification de votre calendrier. S'il te plaît, arrête. Il y a trop de courses.
Il y a des pavés là. On peut pas. Il y a un chrono là de 24 km. Il y a deux chronos. On va peut-être essayer de faire nos preuves sur les deux chronos. Ah, j'ai pas. Merde. Qu'ils ont validé pour là. Le triptyque démon et chaton, on ira. Trophée Piva, on n'ira pas. Là, on n'y va pas. Tour des Flandres. U23. On ne participe pas. Ça, on participe, c'est quoi? Ouais, mais c'est une étape de. C'est un tour de plaine. Ça. C'est de la plaine aussi. Tour de Berlin, c'est de la plaine. La flèche ardennaise. Inscrit sur la course ronde de l'Isard. Et ça je ne tiendrai pas, je pense. Course de la PU23. On ira aussi. Paris-Roubaix Espoir, on n'ira pas. Sans moi, les pavés, c'est pas mon fort, c'est plus les. Ok. Là on a inscrit sur la course le GP 20. Ok, c'est du plat, c'est pas pour nous. Championnat de Belgique de contre la montre. Et là, championnat de Belgique sur route, c'est tout plat, donc ça sera pas pour nous cette année. Pourquoi Danemark Championship? Et là on ira à la route d'Alsace. Ok. Ok. Bon, un bon petit pas beaucoup de courses, mais un peu quand même. Je suis déçu parce qu'on va pas aller à Liège-Bastogne-Liège Espoir et tout. C'est un peu dommage. Je pensais qu'on aurait pu y aller, mais bon. C'est pas trop grave. De toute façon, on a encore beaucoup de saisons devant nous. On a au moins encore, si on fait comme un Jens Voigt, une vingtaine d'années devant nous. On a le tour de la Flandre occidentale, là. Alors, Paris-Nice, le début du Paris-Nice. Et nous, on va aller au Istrian Trophy dans 3 jours maintenant. 4 jours, ouais. Ah, progression niveau 9. On a plus 2 en montagne. Ouh, c'est bon ça. Plus 2. Plus 1 en vallon. Plus 1. Plus 1. Ok. On est bon là. Juste avant le chrono, en plus, qui va commencer. Enfin, le prologue. C'est excellent ça. C'est excellent. Il commence bientôt l'Istrian Trophy. Premier tour avec Nicolas Tiros à la Lotto U23, bien sûr. J'aurais pu aller à la Wallonie-Bruxelles pour déjà faire des grosses courses, mais j'ai pas voulu. Ok, on est 8. Forme, moyen, très bon. On est. Cette course est. C'est un objectif pour notre sponsor et on doit faire une victoire d'étape. Mais écoutez, on va essayer la victoire d'étape sur ce petit prologue. En espérant, on est le meilleur hein, de l'équipe. On a déjà une moyenne de 70. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Écoutez, on se retrouve au départ de la course. Ok, on se retrouve au départ de ce chrono. Du coup... On démarre en dernier, ça veut dire qu'on est le leader de l'équipe peut-être. À 19 ans, ça c'est chaud ça. Ok. 100 x 8 obligé? Non. Ok. Onzième, pour le moment on en a un qui fait 8ème. Lui il va faire de la merde. 25ème. La personne dans le top 10. Allez, ah y'a. Oh ouais, il y a quand même des bons mecs qui font du chrono. C'est mieux de les voir comme ça. Quand même. Stiros, voilà. On va attendre notre départ, Luke Roberts.
Ah, il a l'air de faire un bon. Ah non. On a un gars qui est 12ème là, Gallart. Soren, Crack, Anderson. Ça va bientôt être notre tour, les gars. Je vois des gars. 73-68, ouais. On est clairement le meilleur de notre équipe. Ok. Ça va être bientôt à nous. Je regarde un peu où on est. Après, un maillot bleu. Ok. Il y a l'armée de terre. Ok. C'est ça, non? Je sais plus. Non. Ok, c'est eux. Je pense que c'est eux, après eux. Ok, on est là. Ok. Alors, on va gérer notre coureur. Ok. On a un plus un en plus. Hop. Ok, il perd pas d'énergie. Et là, il va en perdre. Allez. On peut essayer de bien gérer 2 km de la ligne. Craquer. On n'a pas craqué, bien joué. Et on fait 11ème à 4 secondes. C'est pas mal, 11ème. 11ème à 4 secondes, c'est pas mal. On termine 11ème à 4 secondes. Est-ce qu'on va rester 11ème? Ce serait con de terminer à une place du top 10. Pour le moment, on reste 12ème. 13ème. Ok, on est 13ème, c'est Crack Anderson de la team très fort Blue Water qui l'emporte. Il sera donc maillot jaune, on est 13ème nous. On fait un top 15, c'est pas mal. Ok, Crack Anderson. On est 7ème au meilleur jeune, c'est cool. Et là, on est nulle part, enfin je sais pas en fait. Non, on est nulle part. Et voilà, écoutez, un petit top 15, ça fait plaisir. 14ème, 4 secondes. Bon, c'est rien du tout, 4 secondes. Il y en a, ils ont pris 45 secondes. On perd que 4. Ok, niveau des jeunes, on est à 4 secondes. Il y en a 3 qui finissent dans le même temps. Ok. Écoutez, on a combien de minutes? On a 22 minutes, on va encore continuer. Alors. Ok. Ok, on est parti pour la deuxième étape de cette Istrian Trophy. Bon, c'est que de la plaine maintenant, donc on va pas avoir un très grand rôle à jouer. On va prendre des échappées, je pense, plutôt. Ah, quoique... Ah, what? Attendez. Ah non, il y a 2 étapes de vallon. Oh. On a un bon truc à faire, alors. On n'est pas favori. Non. Mais on a peut-être un rôle à jouer dans cette étape. Du coup, on va essayer de faire un truc avec Nicolas Stewart. Et puis on est parti les gars pour cette étape. Le relief est plutôt vallonné, ça risque d'être une course très tactique. Ok, on est parti, on est au départ de cette deuxième étape de l'Istrian Trophy avec la Lotto des U23. Simplement. Allez, c'est parti les gars. On va essayer de gérer cette course tranquillement sans faire d'efforts. Et parce que la côte finale n'est pas trop dure. Donc ça peut nous sourire, l'air de rien. Ça peut vraiment nous sourire. Du coup, on va essayer de faire des trucs. Il n'y a pas d'échappée. Et attendez, s'il n'y a pas d'échappée, moi,
Est-ce qu'il y a des bonifs au sprint? Oui, 6 secondes. Si on prend les bonifs du sprint, on est leader. On attaque, je sais pas si ça suit derrière. Ça ne suit pas. Du coup, on va prendre les bonifications. Tranquillement. Est-ce que ça va sprinter? Je ne sais pas. Ok, on prend les bonifs. Le tempo s'est même ralenti. Bon, mon but n'est pas de partir en échappée, du coup, on va les attendre. Hop là. Reprendre le groupe d'échappée. Ok. On est bon. On a pris 6 secondes de bonif. Ce qui est pas mal quand on regarde. Et si on reprend 6 secondes, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va aller rechercher des bidons. S'il te plaît, merci. Pour l'équipe de l'armée de terre. Ok, pas d'échappée pour le moment. Hop là. Pour le moment, on est pas mal juste avant le sprint. On va aller chercher à boire. Et on va retenter ça. Oui, Romain. Toi-même, tu comprendras. Ok. Okay, c'est juste un pote qui m'envoie un message. S'il me demandait si j'étais en train de faire une vidéo sur PCM. Et voilà. Comme ça, il est au courant. Allez, on tente un comme tout à l'heure. On est parti. Et ça roule cette fois-ci. Cette fois-ci, ça roule. C'est bon, on va prendre les points. On reprend des points tranquillement, au calme, et puis voilà. Hop. On a un moins, ça c'est dommage. Il y en a pas un qui s'est décidé à aller chercher des bidons, non. Je dois faire tout moi-même ici, oh là là. Bon, ici il va rien avoir, tout va se passer vraiment dans le dernier petit mur on va dire. Bon, c'est rien de dangereux, hein. Il n'y a pas des pourcentages ahurissants, c'est pas le mur de Wii ou le mur de Bretagne, bien sûr. Loin de là. Ce serait bien que tu remontes la Styros, merci. Qu'est-ce qu'il fout tout au-dessus du peloton, lui? Ok, là ça va descendre, on va être posé. On a déjà perdu un peu d'énergie quand même. Ça roule très fort. On va devoir se donner à fond là. Pour ce petit mur. 75, on se met. Il reste moins de 5 km à parcourir. Ok, ça attaque de partout. Ça attaque de partout. Avec un moins, on va rien faire, hein, les gars. On va rien faire. C'est peut-être les bonifs qui vont nous sauver. Parce qu'on a pris 12 secondes de bonif. C'est énorme, 12 secondes. Allez, 82. Alors, on va placer un petit démarrage là.
Non, non, on va rien placer du tout. Putain, j'étais en relais. Quel con. Ok, on sprint. Bon. C'est la victoire de la porte. Non, je sais plus. On les voit pas. Victoire de Victor de la porte. Oh là là, on finit mal. On finit très mal. On prendra pas le maillot de leader, malheureusement. On finit très très mal. Dommage, dommage. On a vraiment pas su. Ils ont attaqué très fort. Et voici maintenant les instants clés de la course. Ok. On va voir les podiums. De la porte qui l'emporte. MDR. Du coup, on est où nous au général? On n'est pas là parce qu'on a pris très cher. Pas. On est 7ème au classement du maillot vert. Maillot à poids, est-ce qu'on est là? Non. Est-ce qu'on est là? On est 4ème au niveau du maillot blanc. Ce qui est pas trop mal. Et puis niveau équipe, on n'est pas là. Malheureusement. Victoire pour de la porte. Ah, de la part. D'accord. Nous on termine du coup 36ème. Ouh là là, on a pris cher. Du coup, on est 16ème au général à une 14. C'est dommage. C'est dommage. Ici, il va être moins long, mais il va être plus pentu. Donc, ça va être chaud, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils pour améliorer mon coureur. Ça me serait très utile. Et je lirai tous vos commentaires, bien évidemment. Et puis, on va se retrouver très prochainement dans 2-3 jours. Pour la suite du mode Pro Cycliste sur Pro Cycling Manager 2015. Allez, moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ok. Ok. Bon, un bon petit... pas beaucoup de courses, mais un peu quand même. Je suis déçu parce qu'on va pas aller à Liège-Bastogne-Liège Espoir et tout. C'est un peu dommage. Je pensais qu'on aurait pu y aller, mais bon. C'est pas trop grave. De toute façon, on a encore beaucoup de saisons devant nous. On a au moins encore, si on fait comme un Jens Voigt, une vingtaine d'années devant nous. On a le tour de la Flandre occidentale là. Alors, Paris-Nice, le début du Paris-Nice. Et nous on va aller au Istrian Trophy dans 3 jours maintenant. Enfin 4 jours, ouais. Ah, progression niveau 9. On a plus 2 en montagne. Ouh, c'est bon ça. Plus 2. Plus 1 en vallon, plus 1, plus 1. Ok, on est bon là. Juste avant le chrono en plus qui va commencer, enfin le prologue. C'est excellent ça, c'est excellent. Ok, il commence bientôt. L'Istrian Trophy. Premier tour avec Nicolas Tyros à la Lotto U23, bien sûr. J'aurais pu aller à la Wallonie-Bruxelles pour déjà faire des grosses courses, mais j'ai pas voulu. Ok, on est 8. Forme, moyen, très bon. Cette course est un objectif pour notre sponsor et on doit faire une victoire d'étape. Mais écoutez, on va essayer la victoire d'étape sur ce petit prologue en espérant. On est le meilleur hein, de l'équipe. On a déjà une moyenne de 70. C'est pas mal. Pas mal du tout. Écoutez, on se retrouve au départ de la course. Ok, on se retrouve au départ de ce chrono. Du coup, on démarre en dernier. Ça veut dire qu'on est le leader de l'équipe, peut-être. À 19 ans, ça c'est chaud, ça. Ok. 100 x 8, obligé? Non. Ok. Onzième. Pour le moment, on en a un qui fait 8ème. Lui, il va faire de la merde. Ouais, 25ème. Il n'y a personne dans le top 10. Allez, ah, il y a quand même des bons mecs qui font du chrono.
C'est mieux de les boire comme ça. Quand même. Stewos. Voilà. On va attendre notre départ, Luke Roberts. Ah, il a l'air de faire un bon. Ah non. On a un gars qui est 12ème là, Gallart. Soren, Crack, Anderson. Ça va bientôt être notre tour, les gars. Je vois des gars. 73-68, ouais. On est clairement le meilleur de notre équipe. Ok. Ça va être bientôt à nous. Je regarde un peu où on est. Après un maillot bleu, ok. Il y a l'armée de terre. Ok. C'est ça, non? Je sais plus. Non. Ok, c'est eux. Je pense que c'est eux, après eux. Ok, on est là. Ok, alors on va gérer notre coureur. Ok, on a un plus en plus. Hop. Ok, il perd pas d'énergie. Et là il va en perdre. Allez. On essaie de bien gérer 2 km de la ligne. Pas craquer. On n'a pas craqué. Bien joué. Et on fait 11ème à 4 secondes. C'est pas mal 11ème. 11ème à 4 secondes, c'est pas mal. On termine 11ème à 4 secondes. Est-ce qu'on va rester 11ème? Serait con de terminer à une place du top 10. Ok. Pas mal de courses pour le moment pour les professionnels. 3 courses par jour. Bon, non, on a encore un mois de repos et d'entraînement. Ok. C'est quoi? Juste là, on va prendre une semaine de repos pour éviter que ça... Entraînement. Donc là... Là, on va faire ça. Ouais. 4 jours de course là, donc il va falloir bien se reposer. Mais là, on va prendre que un jour, enfin un d'intensif. Et on va prendre 4. Ah, coquille, non. Hop. Quatre. Mais là, fraîcheur, forme. Ok, on va faire ça. Ok. C'est parfait. On est bon. Pour les entraînements du mois de février. Et après on aura notre premier tour. Parce que là c'était 3 petites classiques. Et là on va avoir notre premier tour. Un tour en Slovénie. Ça va être pas mal. J'y pense, mais là on sera pas à voir tous les maillots. Parce que le maillot vert c'est impossible à avoir pour nous. Bon, on essayera d'avoir les 3 maillots. Essayer de gagner les 3 grands tours. C'est d'avoir les 3 maillots de meilleurs grimpeurs et les 3 maillots de meilleurs jeunes, les 2 championnats nationaux et les 2 championnats mondiaux. Et ça me semble pas mal.
simule toujours, on est au 20 février déjà, ça passe assez vite. Notre forme augmente petit à petit, on n'a pas de fatigue et on est à fond en fraîcheur, notre rythme par contre il est mauvais. En même temps on est en U23, hein. On n'est pas encore en professionnel, on est un néo-professionnel là. Encore, on peut encore faire 3 ans en U23 à part si la Lotto Soudal décide de nous recruter. Et ça serait excellent parce que déjà la saison prochaine on pourrait faire des grosses courses. Mais ça j'y pense pas trop. Franchement, je pense pas qu'ils vont direct nous demander la saison prochaine d'aller en équipe de l'Auto Soudal. Ça m'étonnerait. Okay. Pourquoi ça s'est arrêté? Ok. Continue. Ouais, on a beaucoup moins d'emails que quand on est manager, hein. Étrangement. Ah là on avait Gun Wave Game, tous des trucs comme ça. Là on va arriver à la saison des classiques. Modification de votre calendrier. S'il te plaît, arrête. Il y a trop de courses. Qu'est-ce qu'il y a? Refuser. Il y a des pavés là. On peut pas. Il y a un chrono là de 24 km. Il y a deux chronos. On va peut-être essayer de faire nos preuves sur les deux chronos. Ok. Ah, j'ai pas. Merde. Ok, ils ont validé pour là. Le triptyque démon et château, on ira. Trophée Piva, on ira pas. Là, on n'y va pas. Tour des Flandres. U23. On ne participe pas. Ça, on participe, c'est quoi? Ouais, mais c'est une étape de. C'est un tour de plaine. Ça, c'est de la plaine aussi. Tour de Berlin, c'est de la plaine. La Flèche Ardennaise. Inscrit sur la course ronde de l'Isard. Et ça, je ne tiendrai pas, je pense. Course de la PU 23. On ira aussi. Paris-Roubaix Espoir, on n'ira pas. Sans moi, les pavés, c'est pas mon fort, c'est plus les. Ok. Donc là, on a inscrit sur la course. Le GP 20. Ok, c'est du plat, c'est pas pour nous. Championnat de Belgique de contre-la-montre. Et là, championnat de Belgique sur route, c'est tout plat, donc ça sera pas pour nous cette année. Pro Danemark Championship. Et là on ira à la route d'Alsace. Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre carrière pro cycliste. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc aujourd'hui on va continuer notre saison le mois de janvier tranquillement. On a 50€ de budget grâce à nos deux dernières courses. Pour le moment, bon, on n'a pas de gros résultats à notre palmarès, à part une petite 14e place à la Cyanide Cup 2. Et on va tout de suite se rendre à la Cyanide Cup 3. Bien sûr, on a été repris. Et une Cyanide Cup la plus montagneuse, la plus vallonnée, on va dire. Bon, on est loin d'être le favori, bien sûr. Voilà, il y a encore des Enrico Barbin, tous des trucs comme ça. Du coup, on est très loin d'être favori. Mais écoutez, on se retrouve au départ de la course. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. Ok, on se retrouve en course avec notre coureur Nicolas Styros. Tout simplement. On est Gosse de Sar. 155. Ok, on va remonter tout en haut du peloton, écoutez. Et aujourd'hui, ça va être une course très très dure pour nous. On va avoir du mal, je pense, à suivre les meilleurs. Et on va viser peut-être un top 25 aujourd'hui, pas plus. Parce que viser plus dans une course comme ça, c'est très chaud. On ne va pas s'échapper non plus.
Il est hors de question qu'on s'échappe. Hop. Ok. Bon, il va pas y avoir de difficulté, on va dire, pour les deux premiers passages. C'est vraiment à partir de celui-ci où ça va devenir compliqué. Parce que là, ça va commencer à accélérer dans tous les sens. Ok. Je regarde un peu, on regarde un peu les pourcentages pour voir si c'est pas trop du... Oh là là, il y a du 8% quand même et ça dure longtemps. Sur la fin, c'est un peu moins dur, puis ça redevient... Ouais non, la fin est beaucoup moins dure que le début. L'écart diminue. Et heureusement, j'ai envie de dire. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre le chrono, donc vous aurez un épisode normal. Je pense 35-40 minutes. Ok, deuxième passage du petit col. Il n'y en a pas un qui a envie d'aller chercher à boire. Non, non, il se décide pas. Allez, on va aller chercher nous-mêmes. On est des grands garçons. Oula, Hermans qui se tape à moins 5. Pour notre team. Ils sont tous en haut du peloton. Je sais pas ce qu'ils foutent là. On remonte tranquillement, sans trop faire d'efforts. Comment ça va, on perd pas d'énergie. C'est vrai qu'au début c'est assez chaud hein, quand même de gérer un plus un qui se profile, ça serait cool. On va prendre ça vite fait. Un dernier bidon pour la fin de la course. Voilà. Pas besoin de se dépenser à fond. Ok, là ça va devenir intéressant là. Et là ça va devenir intéressant, il va vraiment falloir essayer de gérer au maximum. On a un zéro. Un zéro c'est pas trop mal. Et on va essayer de gérer, c'est qui eux deux? On a Melsen et Solemic. Oh là, c'est chaud quand même. On est en tête, ceux de notre équipe. Ils ont pas trop de barres jaunes non plus. C'est chaud. Oula. Il est déjà mort lui. C'est pas à moi mener la troupe normalement. On va rester bien là au chaud. Sans faire de bêtises. Pour le moment ça roule pas. Ok. Ah ça commence à accélérer là. Ça commence à accélérer, on va faire gaffe. Pour le moment on est plutôt bien niveau barre jaune. Ok, ça lâche déjà. Hein. On a des coureurs en difficulté, c'est fini pour Irman. Excusez-moi. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Et ça attaque là. C'est qui attaque? C'est Solomenikov. Solomenikov qui attaque. Bon, ça se passe plutôt bien. On est dans les pourcentages les plus durs de ce col. Et si on tentait une petite attaque? Je sais pas, ou alors on reste là pour la fin. Bon, je serais pas dire. On va baisser un peu l'allure. Ça sert à rien, c'est pas à nous de mener normalement. Je sais pas comment on a des coéquipiers qui peuvent être lâchés alors que ça roule comme ça. Lui il est posé lui. K68. Ah, c'est moi le meilleur en fait de l'équipe en Bretagne. Se désintéresse de l'échapper. Et pourquoi c'est la sélection par l'arrière se poursuit. Encore 64 68 63 62 60 65 68 66. On est le meilleur de l'équipe. Étonnant. Ça attaque là. Je sais pas si ça attaque. Nous sommes à 15 mais ça accélère. Ils vont faire la descente à fond. Là, on est bien là. 12 km de l'arrivée. Pour le moment, on est bien. On est bien avec Nicolas là. On gère plutôt bien notre barre jaune.
Et franchement, je pensais pas que ça allait être une étape pour nous, mais on a l'air d'être bien. Il n'y a plus d'échappée. Si on peut le suivre, non, on ne peut pas le suivre. Ok. 7 km. 7 km maintenant. Eh. Et on est en train de partir. On est en train de partir. On est en train de partir là, c'est un truc de fou. Regardez, on est en train de partir avec Nicolas. Allez là. Oh là là les gars. Oh là là les gars. Première victoire. Je sais pas, mais on est bien parti là. On est très bien parti. 13 secondes d'avance là, 12 secondes. Allez, on va sprinter. Allez, allez. Oh là là, oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, on va pas gagner. On va pas gagner. On va faire un top 10. Oh, dommage. On va faire 6ème de l'étape. Oh là 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 là, les gars. Une 6ème place. 6ème place aujourd'hui. C'est très bon, un excellent résultat. On aurait même pu gagner. On s'est fait reprendre à 700 mètres de la ligne. Il est parti tout seul. Il est parti tout seul. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Voir les podiums. Premier top 10 de notre coureur dans notre carrière avec les U23 de la Lotto Soudal. On fait une 6ème place, une très belle 6ème place. On fait 5ème meilleure équipe. C'est bien, la Bargiani. Bon. Le casque me fait mal. Demar, vainqueur du jour. Et on nous voit là dans la gazette. On est dans la gazette, les gars. Là, on a fait un très bon résultat. Du coup, dans notre carrière, on peut pas voir. D'accord. On peut pas voir pour le moment. Ok, félicitations. Premier top 10. Ok, on rapporte des points. Voir en fait, données cyclistes. Carrière, Cyanide Cup 1. On fait 26e, 14e, 6e. Ça va en montant, les gars. La prochaine fois, c'est le podium. Je vous le dis. C'est le podium. On fait des bons trucs pour le moment, ça va, je suis content. Ok, entraînement, calme, on est là. Fraîcheur, on a perdu pas mal de fraîcheur. Si on va là, on nous voit, voilà. Ok. Écoutez, on est plutôt bien. La prochaine course, je sais pas du tout c'est quand. Là, cette semaine, il n'y a aucune course. Oui, il y a les courses professionnelles, mais nous, on n'est pas là. Ça nous a remporté 120 euros quand même, notre 6ème place. Hein, c'est pas mal. Continue d'avancer tranquillement. Le tour de l'Under se déroule avec le tour de San Luis aussi. On est encore loin d'y être. Hein. On est encore loin d'y être, nous. Toujours pas de course. Le prochain on s'arrête, voilà, arrête. Ok, on va aller voir un peu le calendrier. On est au mois de janvier, la prochaine course c'est au mois de mars. Et ce sera le Istrian Trophy. Du vallon. Il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc. Je sais pas, on verra. Ok, ouais, donc là on va devoir simuler pas mal de temps. On continue d'avancer tranquillement. L'étoile de Bezège qui se déroule actuellement. Le Grand Prix de Bezège. Tour de Dubaï aussi. Pour le moment, restons 12e. 13e. Ok, on est 13e. C'est. Crack Anderson de la team très fort Blue Water qui l'emporte. Il sera donc maillot jaune, on est 13e nous. On fait un top 15. C'est pas mal. Ok. Crack Anderson.
On est 7ème au meilleur jeune, c'est cool. Et là, on est nulle part. Enfin, je sais pas en fait. Non, on est nulle part. Voilà, écoutez, un petit top 15, ça fait plaisir. 14ème, 4 secondes. Bon, c'est rien du tout, 4 secondes. Il y en a, ils ont pris 45 secondes. On perd que 4. Ok, niveau des jeunes, on est à 4 secondes. Il y en a 3 qui finissent dans le même temps. Ok. Écoutez, on a combien de minutes? On a 22 minutes, on va encore continuer. Alors. Ok, on est parti pour la deuxième étape de cette Istrian Trophy. Bon, c'est que de la plaine maintenant, donc on va pas avoir un très grand rôle à jouer. On va prendre des échappées, je pense, plutôt. Ah, quoique. Ah, what? Attendez. Ah non, il y a deux étapes de vallon. Oh! On a un bon truc à faire alors. On n'est pas favori. Non. Mais on a peut-être un rôle à jouer dans cette étape. On va essayer de faire un truc avec Nicolas Stewart. Et puis on est parti les gars pour cette étape. Ok, on est parti, on est au départ de cette deuxième étape de l'Istrian Trophy avec la Lotto des U23. Simplement. Allez, c'est parti les gars. On va essayer de gérer cette course tranquillement, sans faire d'efforts. Et parce que la côte finale n'est pas trop dure, donc ça peut nous sourire, l'air de rien. Ça peut vraiment nous sourire. Du coup, on va essayer de faire des trucs. Il n'y a pas d'échappée. Et attendez, s'il n'y a pas d'échappée, moi, est-ce qu'il y a des bonifs au sprint? Oui, 6 secondes. Si on prend les bonifs du sprint, on est leader. Attaque, je sais pas si ça suit derrière. Ça ne suit pas. Du coup, on va prendre les bonifications. Tranquillement. Est-ce que ça va sprinter? Je ne sais pas. Ok, on prend les bonifs. Bon, mon but n'est pas de partir en échappée, du coup, on va les attendre. Hop là. Ok. On est bon. On a pris 6 secondes de bonif. Ce qui est pas mal quand on regarde. Et si on reprend 6 secondes, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va aller rechercher des bidons. S'il te plaît, merci. Pour l'équipe de l'armée de terre. Ok, pas d'échappée pour le moment. Hop là. Pour le moment, on est pas mal juste avant le sprint, on va aller chercher à boire. Et on va retenter ça. Oui, Romain. Toi-même, tu comprendras. Ok. Okay, c'est juste un pote qui m'envoie un message. S'il me demandait si j'étais en train de faire une vidéo sur PCM. Et voilà. Comme ça, il est au courant. Attendez. Allez, on tente un comme tout à l'heure.
On est parti